Ok, c'est bizarre, mais je vais tout vous expliquer. Salgo en la noche en busca de caserío porque a mí lo que me gusta es el pare, pare. Hello my friends! J'espère que vous allez superbement, magnifiquement bien comme d'habitude. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer les produits les plus bizarres, chelou, what the, tu sais très bien, que j'ai en ma possession et que j'adore et que j'utilise tout le temps. Vous savez que je suis pas une fille normal. Donc il est normal que j'ai des trucs qui sont pas normales et que j'adore. Et il y en a vraiment pour tous les budgets. En tout cas, ma chose dont je vais vous parler, c'est une chose dont j'aimerais m'expliquer. Cette chose n'est absolument pas un sextoy. Est une brosse à dents. Alors c'est la brosse à dents Foreo électrique. C'est tout en silicone et cette brosse à dents est géniale parce qu'elle n'abîme absolument pas les gencives ni les dents. Au contraire, elle vous propose un brossage des dents qui est beaucoup plus doux. Moi j'avais des problèmes en fait au niveau d'une dent au fond. Elle commençait à me faire mal et je pense qu'en fait c'est parce que je brossais ma bouche. Ouh, ça fait bizarre de faire ça. Je brossais trop fort mes dents. Partie en silicone et hyper douce pour vos gencives. Mes gencives ne saignent pas. Et ce qui est super bien, en fait vous avez différents embouts de brosse que vous pouvez changer. Donc celle-là c'est la brosse tout en silicone. Là c'est la brosse moitié en silicone et moitié polymère. Et la dernière, la large, c'est tout en silicone. C'est une brosse à dents de langue. Donc une brosse à langue. Et là vous avez les embouts en fait. Et c'est génial. Vous avez trois brosses à dents pour le prix d'une. En plus j'adore le design. Et on sent pas le plastique et franchement c'est super agréable, je vous jure vraiment. La brosse va de là à là, donc si vous voulez ça me prend presque toutes mes dents de devant quand je me brosse les dents. Donc c'est génial, j'adore ce produit. D'ailleurs tous les produits que je vous présente seront en barre d'infos, donc n'hésitez pas à y aller dès que ça vous plaît. Ensuite, second produit chelou. Alors c'est cette chose. Là vous allez me dire mais cette chose c'est normal et tout. Non pas du tout. Cette chose en fait je l'ai acheté à New York. C'est marque coréenne en fait. C'est un gommage de peau mais ça t'enlève la peau, mais j'ai jamais vu un truc comme ça quoi. Ça vous enlève toutes vos peaux mortes. Ça ne vous arrache pas la peau, ça c'est sûr. Ça n'abîme pas la peau, mais ça enlève vraiment toutes les peaux mortes. J'ai jamais eu un truc qui m'enlève à ce point les peaux mortes. J'ai un gain de temps avec ce truc qui est génial. Et c'est même flippant en fait. Vous pouvez l'utiliser sur vos pieds, sur vos coudes, sur l'entièreté de votre corps, sur votre visage, etc. Vous avez vu un produit aussi efficace et aussi bizarre que j'adore en fait. Ensuite, je vais vous parler d'un des produits bizarres que j'aime le plus aussi. Petit rouge à lèvres de la marque Lipstick Queen. Ce petit rouge à lèvres est vert. Mais il est vert, ça te fait des lèvres vertes. Pas du tout. En fait, si vous voulez, c'est un rouge à lèvres que vous mettez sur vos lèvres quand vous voulez vous maquiller légèrement. Et c'est un rouge à lèvres qui va tout simplement s'adapter à la couleur de la carnation de vos lèvres. Ce rouge à lèvres va évoluer dans une couleur qui va être le plus naturel possible sur vos lèvres. C'est un rouge à lèvres qui est universel. Peau noire, blanche, mat. D'autant plus que je trouve qu'il hydrate en même temps. Et je trouve que c'est hyper pratique. Vous le mettez dans votre sac, vous avez la flemme de vous maquiller. Hop, petit coup de crayon, petit coup de ce rouge à lèvres. Perfecto. Ensuite, on va passer à ces choses-là. Je pense que vous connaissez, mais je pense qu'il y a des personnes qui ne connaissent absolument pas ces choses. Ce sont des éponges Conjac. C'est ma vie en ce moment. Je ne me passe absolument pas de ces choses-là. C'est des produits de base coréens en fait. Ça commence à se vendre de plus en plus en France. D'ailleurs, celle-ci est une éponge Conjac au charbon qui vient de chez Sephora. Elle est géniale pour la peau. Et celle-ci, c'est une de chez Aromazone. Ah, c'est des choses qui sont dures. Passez dans l'eau en fait. Vous allez voir que ça va se transformer en éponge. Vous pouvez l'utiliser avec un nettoyant visage ou sans nettoyant visage. Et ça va vous nettoyer le visage de la meilleure des manières. Toutes les impuretés sont enlevées. Votre visage est beaucoup plus sain. Et les éponges Conjac ont aussi beaucoup de vertus pour votre peau. Voilà, celle au charbon, c'est génial pour celles qui ont des problèmes de peau, des points noirs, etc. En plus, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas cher. À mélanger ou pas avec votre nettoyant visage, vous faites ce que vous voulez. Ensuite, j'aimerais vous parler d'un savon que j'adore, que j'ai acheté chez Aromazone et qui est vraiment pas cher. C'est un savon Bonne Mine que j'utilise justement avec mes éponges Conjac. Alors, ce savon est à base, mince, j'ai oublié un des produits qui est une poudre hyaluronique et les poudres hyaluroniques. Dieu, je sais que c'est hyper bon pour les cheveux et pour la peau. C'est un savon à base d'abricot, carotte et ça a des vertus optimisantes et bonifiantes pour la peau. J'adore ce savon. Une poudre naturelle qui fait bronzer dans cette... mais je me souviens plus du tout c'est laquelle. De toute façon, je vous mettrai en barre d'infos les informations parce que je vais aller les chercher sur internet. Et il est vraiment, vraiment pas cher ce savon. On va passer à une chose qui est plutôt sympathique que j'ai acheté à Ibiza. Alors ça c'est ma toute nouvelle paire de chaussures. Je fais du 30. Non absolument pas, c'est un parfum. C'est le parfum Good Girl de chez Carolina Herrera,
qui sent divinement bon. Et comme vous le savez très bien, je suis une bolosse. À chaque fois, je me fais attirer par le packaging. Et pour le coup, je suis pas déçue. Et je l'ai senti. Et en plus, l'odeur est folle. Le parfum sent super bon. Je sais pas si vous pouvez le trouver en France. Je l'ai acheté à l'aéroport d'Ibiza. Mais je vais essayer de vous dénicher un lien quand même pour pouvoir vous le pécho. Le pchit, il est là. Le bouton du pchit, il est là. Vous le sprayez comme ça. Et vous sentez bon. Et votre flacon, il est super joli. Ensuite, oh, ça sent bon, ça sent bon. Pour terminer, dans les trucs chelous que j'aime beaucoup, les fards à paupières crème de chez Makeup Forever. Ils sont waterproof de fou malade, mais au-delà de ça, leur pigmentation est incroyable. Et j'ai reçu toute la palette en fait. C'est une collab avec Kelani, je dirais de la peinture. Vous allez vous tartiner le visage et tout. Vous pouvez l'utiliser vraiment pour tout. C'est pour les yeux, mais je suis sûre que vous pouvez l'utiliser aussi pour les lèvres. Et ça que j'aime bien. Donc si vous avez quelques couleurs qui vous plaisent, là en fait vous avez les mats ici. Ici vous en avez des shiny. Là vous en avez des shiny qui brillent un peu. Donc au niveau des fards à paupières, c'est génial. Je pense que vous pouvez les acheter par unité. Moi je les ai vraiment reçus de la part de chez Makeup Forever. Et je trouve que l'idée est ouf. Si vous voulez avoir un fard à paupières super blanc ou même avoir une base, tout simplement vous pouvez acheter ça. Vous le mettez hop sur vos yeux, c'est génial en fait. Et vous pouvez mélanger les couleurs comme dans de la vraie peinture en fait. Donc voilà. Pour la outro, je vais quand même mettre mes lunettes parce que je les adore. J'espère que vous avez vraiment kiffé cette vidéo. En tout cas, si t'as kiffé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Si t'as pas kiffé, n'hésite pas à mettre un pouce rouge. Comme d'hab, ça me permet de savoir. Moi, tant que vous vous exprimez, moi je suis contente. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos de ce genre en commentaire. Les trucs les plus que je kiffe, les trucs les plus machins et tout, ou les moins que je kiffe. N'hésitez pas à me proposer vos idées en commentaire parce que j'adore faire ça. Jure, c'est un vrai kiff pour moi de faire cette vidéo. J'ai hâte de la monter pour une fois. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne juste là en cliquant sur le rond. Hein. Même depuis ton portable, tu peux le faire et directement tu t'abonnes. Et moi, je suis contente. Et plus on est nombreux, plus c'est bien. Et vas-y, c'est gratuit en plus. Comme d'hab, je vous aime fort. Je vous fais de gros bisous. Bisous!